9 novembre 2038. Oh, un autre connard! Hein? Quoi? Ah, sauf que lui, il est formaté du coup, comme ça nouveau. Coucou! Prédécesseur a malheureusement été détruit. Mais CyberLife m'a transféré sa mémoire et m'a déployé en remplacement. T'es mort dans mes bras. Et maintenant, te revoilà comme si rien ne s'était passé. Va te faire foutre. Comment avez-vous fait pour trouver Kamsky ? Je me rappelle qu'on voyait ce mec partout dans les médias quand CyberLife s'est mis à vendre des androïdes. J'ai passé quelques appels. Et voilà. Bon, avant de faire ça, on va faire une petite pause tout de suite. Vous êtes allé au petit coin. Je reviens dans quelques instants. Et re. Allez, c'est reparti. Ah, oh, tiens, qui voilà. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson, de la police de Détroit. Je viens rendre visite à Monsieur Elijah Kamsky. Je vous en prie, entrez. Ok. C'est l'androïde qui est dans le menu. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. C'est qui ce Kamsky? C'est bien la première fois qu'on entend parler de lui dans le jeu. Ah, c'est lui qui a créé tous les androïdes? Mais non. Jolie fille. Vous avez raison. Elle est vraiment jolie. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? On va rencontrer Dieu. Kamsky est l'un des plus grands génies du 21e siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. J'avoue. Ah, c'est un mandat, ça. Elijah va vous recevoir. Comme ça, on fait des androïdes. Un instant, je vous prie. Bah, où est-ce qu'il est? Il est dans la piscine, tranquille. Il fait sa nage, tranquille. Allez.
Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits, dotés d'une intelligence infinie, et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Nous avons besoin de comprendre comment les androïdes deviennent déviants. Auriez-vous la moindre information utile? Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour votre philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants, et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement? Je sais pas. Je ne revendique rien. Je suis une machine. Chloé! Ah, c'est ça, Chloé. Vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti de la piscine. Qu'est-ce qui est le plus important, Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant? Doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant! Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici.
Il est bizarre, mais il y a raison sur un point. Hein. Toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Quoi ? Issue de secours, dans quel sens ? Ou alors c'est le truc... J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. J'avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord ? Devient... Et ouais, ça devient aussi, forcément. Il décide par lui-même. T'as peut-être fait le bon choix. Ah, ce Kamsky est bizarre. Et si on le voit que maintenant, à mon avis, on va encore le revoir par après. C'est pas possible autrement. Parce que là, on doit être à combien là? Au total, on doit être à 9 heures de jeu là. Moins, peut-être un peu moins. 12h04. La neige partout. Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils comptent sur moi. Ils attendent que je leur montre la voie. S'ils savaient à quel point je suis perdu. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Brûlés, carrément. Ils ne nous libéreront jamais. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho ? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Mmh. Où est-ce que tu vas ? Parler aux humains. Quoi ? Il est pas mort. Un sale état, mais...
c'est du suicide. On va tous se faire tuer, je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Tu es libre. Viens avec nous. Mais justement, si le enregistre tout. Il y en a encore un là-bas. Je t'assure, tu cherches la présidente Warren et de mèche avec Cyberman. On vote de cette table. Tu es libre. Tu es éveillé maintenant. Tu es libre. Hop, tu es encore là aussi. Tu es libre. Tu es libre. Hey, où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Je dois parer cette rue. Tu es libre. Si tu le dis. Elle est au téléphone, elle s'en bat les couilles. En fait du monde. Oh, une comme Kara. Tu es libre. Du monde.
L'œil drone. J'aime pas ça. Rouleau. Dispersez-vous immédiatement. C'est un ordre. Merde, c'est pas vrai. Putain de bordel de merde. Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines. Des milliers. Ils défilent. Ouais, ils défilent dans l'armée. Qu'est-ce que j'en sais? Oh là là. Je sais pas si ça va bien se passer, hein. Oula. Ralenti, émeute et tout. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Ne tirez pas. Ne tirez pas. On s'en va. Affirmatif. À mon signal! Non mais... Non! Courez! Sérieux? Ah, les bâtards! Et t'es sérieux? Viens, Marcus. Mais merde, quoi.
Je vais vraiment refaire une où là je vais jouer le méchant. Ça va pas aller. Parce que là. Là je peux plus faire genre. Oui, non. Sinon ça va tout foirer. Ah la blague! Ils vont me tirer dans le tas quand même quoi. Aucun respect. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout, on peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant, alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de l'apprendre. On peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Non, t'as chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois. Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini. Bien. Ta mission est finie. Il est temps de revenir chez Cyberlife. Attendez, je peux résoudre cette affaire. J'ai juste besoin de plus de temps. C'est trop tard, Connor. Tu as échoué. Ah, c'est là qu'il va... C'est là que tu vas péter ton truc, non? Même pas? Non mais là on est vraiment... J'ai rien su faire là! Encore une fois mort. Sauf que là, je pense que c'est la bonne cette fois. En état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique? Tu peux rien faire non plus. Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Tout le monde est à cran après ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer. On y est presque. Ça va bien se passer, bien sûr. Même s'il y avait tout qui se passait correctement. Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit.
Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose. Mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario. Je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivée, d'accord? Et soyez prudente. Prends soin d'elle. Allez, venez. Ne traînons pas ici. On a un bus à prendre. Caractériser Jericho. Se mettre au chaud pour Alice. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Ils effectuent des rafales. Travers la ville. Les ont mitraillés. C'était une véritable boucherie. Il y avait des androïdes partout sur place. Et les forces de l'ordre sont arrivées. Et ils ont ouvert le feu. Je sais que ce ne sont que des machines, mais elles ressemblent à... Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Ah, elle est malade encore. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On a vraiment pas On partira dès qu'on aura des passeports. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Ah, peut-être trop tard. Suite à la guerre... ...des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés en attendant qu'ils nous massacrent. Le président des Nations Unies, Douglas Cromwell, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur la situation actuelle dans la région arctique. Où es-tu, Marcus ? Il semblerait que le danger d'une troisième guerre mondiale soit écarté. A été franchi, démontrant clairement que ces machines défectueuses sont devenues un véritable... C'est toi, Marcus? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Dans des camps? Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. C'est gentil, merci. Mais on veut partir tout de suite. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Ça peut être bizarre de... Petite fille. De voir Marcus et Kara. Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Elle a besoin de moi.
Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Le temps est venu de détruire nos machines avant qu'elles ne nous détruisent. Sans le courage et la détermination sans faille de la police, les machines auraient définitivement semé le chaos et la destruction dans les rues de Détroit. Alice? Mais non, c'est pas un vrai enfant. Et what? Tu l'as toujours su. Ah mais putain. Tu refusais simplement de l'admettre. Elle voulait une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Alice t'aime, Kara. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Et non, quoi. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. Oublier ce que tu es, pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça le vrai sens de la vie. Elle est pas vraiment malade alors. Ah le twist! Oh mon dieu, ça je l'ai pas vu venir. Elle, elle le sait peut-être pas, la gamine. Kara, y'a un problème? On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui, pour toujours. Et du coup, elle a pas de... Ou alors, elle est cachée. Et on voit pas sa diode. Et elle a peut-être enlevé à un autre moment. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. À quoi ça sert d'être libre, si tous nos frères sont morts? Je me suis peut-être laissé aveugler par la colère. Mais tout ce que j'ai fait... Je l'ai fait pour notre peuple. On ne devrait pas oublier qui sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus? J'ai besoin de réfléchir.
fait plusieurs millénaires qu'ils s'entretuent à cause du dieu qu'ils vénèrent ou de la couleur de leur peau, ils ne changeront jamais. La violence est inscrite dans leur gène. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. Bah vous, on sait jamais. On va pas s'en servir. C'est pas parce qu'on l'apprend qu'on l'utilisera. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Retourne le cerveau, novembre 2030, 16h17. C'était vivre en paix, mais tout ce que je touche s'effrite entre mes doigts. Tout ce que je voulais, c'est que mon peuple soit libre. Mais au lieu de ça, je les ai tous menés au désastre. J'essaie de trouver des réponses, mais tout s'effondre en même temps autour de moi. Qu'est-ce que je dois faire, Carl? Ils nous massacrent. Je ne veux pas répondre à la violence par la violence, mais quel choix me reste-t-il? Aidez-moi, Carl. Je vous en prie, aidez-moi. Ah tiens. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. On va rester gentil. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêt à me suivre ? Oh!
Et là, tu pouvais jouer aussi machin, du coup, il est pas là. Le feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame la Présidente! S'il vous plaît! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. S'il vous plaît! A-t-on arrêté le leader des déviants? Le déviant connu sous le nom de Marcus n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Un convoi de cobalt médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs? Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Par ici! Madame la Présidente! Madame la Présidente! Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion? C'est ridicule. Question... Cras la peur, quand même. Par ici! Madame la Présidente! Que va-t-il advenir de CyberLife? L'interdiction des androïdes est-elle définitive? Nous travaillons en étroite collaboration avec CyberLife pour neutraliser tous les déviants. Je ne ferai aucun autre commentaire sur le sujet tant que nous n'aurons pas réglé la question des androïdes. Merci. C'est tout pour l'instant. Ils vont de maison en maison pour arrêter les androïdes. Ça ne va pas être facile de passer. Le dernier bus part dans 20 minutes. Il faut vraiment qu'on se dépêche. 20 minutes. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Ça ira mieux dans un instant. Merci. C'est plus facile maintenant, hein. Ah, ils mettent comme ça dans la rue, ils les abattent quoi, mais c'est pas possible franchement. J'avoue, il y en a partout, quoi.
y a des soldats partout. Elle a raison, Alice. On peut quand même pas les abandonner. Ils vont se faire tuer. Je suis désolée, Alice. On peut rien faire pour eux. Hé, toi. Il faut qu'on continue. Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrerai juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie! Saloperie d'androïde. Le bus, il a l'air d'être. Oh là là. Bloque la sortie. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. On devrait peut-être faire un détour pour éviter le danger. On n'a plus beaucoup de temps, on risque de rater le bus. Oui, mais c'est peut-être plus prudent. Le prudent. Nous sommes en direct de Détroit, où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente. Ça va pas bien se passer, je le sens. On y est. Le moment de vérité. Ah, il y a la presse et tout, hein. Nous ne voulons pas d'affrontement. C'est une manifestation pacifique. Je répète, rendez-vous. Nous devons ouvrir le feu. On ne peut plus faire marche arrière.
Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre encontre. Nous venons en paix. Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. Ah putain. Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés ? Nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos yeux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. La gare routière. On est arrivé à Alice, on a réussi. On n'est pas encore dans le bus, hein. Le dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de tickets, ils nous laisseront pas monter. On est coincés ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ma fille. Toi ! Tu m'as volé ma fille ! Todd ! Sécurité ! Par ici ! Nous livrer à la police ne réglera rien, Todd, vous le savez très bien. Vous avez vos propres problèmes. Laissez-nous en dehors de ça. Vous alliez la tuer. J'ai fait que la protéger. Quand votre femme vous a quitté, elle a emmené votre fille. Vous ne pouviez pas vivre sans elle. Alors vous avez acheté un androïde pour remplacer votre petite fille. Vous pensiez être capable de l'aimer. Qu'elle vous aiderait à oublier. Mais rien ne pourra remplacer votre enfant. J'avais besoin de me prouver que j'étais un bon père, qu'elle avait tort. Mais j'ai tout gâché comme d'habitude. Elle avait raison finalement. Je ne les méritais pas. Mais ma fille me manque tellement. Si tu savais à quel point elle me manque. Y a un problème, monsieur ? Non. Je me suis trompé. Désolé. Ne bougez pas. Bonne chance.
Ah, fallait le faire qu'on tombe sur Todd, hein. Jamais trouvé les tickets. On dirait qu'Oliver t'aime bien. Elle est à vous? Oui. Elle est adorable. C'est bon. J'ai les sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de rater le bus. T'as bien les tickets, hein? Oui, chérie, dans mon sac. Allons-y. Désolée. Oh, pardon, je suis vraiment désolée, je les avais. Ah non, mais c'est quand... pas vrai. Je comprends pas ce qui s'est comment passé. Comment t'as fait pour les perdre? Je t'ai bien regardé dans ton sac. C'était dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard? Nos tickets de bus étaient dedans et... Laissez tomber. On a trouvé ça par terre. Merci, merci. Merci beaucoup. Vous nous avez sauvé la vie. Ils ont un bébé. Désolée, Alice. C'est pas grave. T'as fait ce qu'il fallait. On va trouver une autre solution. Contrôle de sécurité. Ne bougez pas. Et l'autre, il lol. Mais non, ils avaient un bébé, putain. Ouais, mais la pauvre Alice, c'est un robot aussi maintenant, hein. C'est bon. Arrêtez, c'est pas une enfant. Non, non, moi je suis pacifiste. Pacifiste. On a décidé qu'on faisait des trucs gentils, on continue à faire des trucs gentils. Merde. Ah, il y a quelque chose par là, j'avais même pas vu. Adam ? Kara ! Vite ! Suis-moi ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Saviez-vous qu'on était là? Je savais que si vous étiez en vie, vous seriez ici. Ils fouillent toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un nous dénonce. Où sont les autres? Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière. Mais j'ai trouvé un passeur qui peut vous faire traverser la rivière. C'est risqué, mais c'est le seul moyen. Vous venez avec nous. Oui. Bah oui. Avec vous, ça marche. Montez. T'es pas encore désespéré.
c'est quoi le rapport avec les consoles? Non, moi j'ai été gentil avec les androïdes, ils vont pas se rebeller chez moi. On doit finir la barricade, allez aidez-moi! La cause d'Alice. Elle est pas perdue encore, Alice. F, des m'aider! Ni Marcus pour le moment. On a perdu Coconor. Ah, volontaire bord d'ailleurs. J'ai pas compris pourquoi. Ok, ça devrait être bon. Mais on s'en fout des tickets. On sait tous que ça les arrêtera pas. Espérons qu'on gagnera du temps. Je sais que c'était pas une décision facile à prendre. Mais je suis sûr qu'on a bien fait. Ça les retiendra pas très longtemps, mais c'est déjà mieux que rien. J'ai perdu le contact avec ceux du camp. Je n'entends plus du tout leur voix. Les humains ont peut-être brouillé notre réseau. Ils bloquent sûrement les communications. Que j'ai pris la bonne décision. On aurait peut-être pu éviter tout ça. Tu portes l'espoir de notre peuple. J'ai confiance en toi. Nous avons tous confiance en toi. Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons marquer l'histoire. On a encore la télécommande. Hein. Marcus, on a trouvé ce que tu voulais. Il y a des journalistes là-bas. On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe.
Marcus, viens voir. Marcus. Je suis venu pour parler, Marcus. Écoute-moi. Tu as ma parole. Ils ne tenteront rien. N'y va pas. C'est un piège. Ils veulent que tu sortes à découvert. N'y va pas, Marcus. Je ne suis pas armé, Marcus. Je veux juste te parler. Je dois entendre ce qu'il a à dire. Et s'ils t'abattent ? Au moins, on aura essayé. C'est un risque qu'on doit prendre. Dans quelques minutes, les soldats donneront l'assaut. Aucun de vous ne survivra. Ce sera la fin. Mais tu peux empêcher ça, Marcus. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rends-toi. Rends-toi et je te donne ma parole qu'on ne te fera aucun mal. On vous arrêtera. Mais aucun de vous ne sera détruit. Qu'est-il arrivé aux autres androïdes qui manifestaient devant les camps ? Malheureusement, il n'y avait pas de journalistes pour leur sauver la vie. Mais ils sont morts. Vous êtes les derniers déviants. Si j'accepte votre offre, qu'est-ce qui me dit que vous tiendrez parole ? T'es pas en position d'exiger des garanties, Marcus. Tout ce que tu peux faire, c'est décider si tu veux me faire confiance ou non. Vous me demandez de trahir mon peuple ? Je te donne une chance de sauver ton peuple. Il n'y a pas d'issue, Marcus. La seule chose que tu puisses faire, c'est sauver ceux qui t'entourent. Ah là, c'est tendu. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête le massacre ou on continue ? En sachant qu'il y a de fortes chances, si on accepte, qu'on va se faire buter, hein. Oh, j'ai dit que je jouais de gentil. D'accord. D'accord, j'accepte. T'as pris la bonne décision. Alice, va chercher le lapin. T'es en retard. Eh ben, c'est pas trop tôt. Désolé, on a eu un contretemps. Personne vous a vu ? Alors, c'est pas le même truc, c'est avec le grand méchant loup. C'est pas le chaperon rouge. Le voilà. Bien. Vos bateaux sont là-bas. La douane a posté des patrouilles sur les rives et sur l'eau. Attendez d'être loin pour démarrer les moteurs. Ok ? Et faites attention au courant. Bonne chance. Ne vous en faites pas pour nous. On va s'en sortir. L'autre rive est à moins de 800 mètres. Ça ne devrait pas être très long. Faites attention, la police des frontières a des patrouilles sur l'eau.
Merci pour tout, Rose. J'aimerais vous faire traverser moi-même. Je n'aime pas l'idée de vous laisser seule. Au revoir, Alice. Faites bien attention, vous. D'accord. On se voit de l'autre côté. Attends, je vais t'aider. Ah mais tais-toi avec tes trucs à la con. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec moins 1 degré. On n'a pas intérêt à tomber. Nos biocomposants gèleraient. C'est bon, on est assez loin. Mettons le moteur en route. Ouais, je m'en charge. Ça va, Alice? Quand on sera de l'autre côté, je ferai des mille choses. D'abord, je veux lire tous les livres du monde. Et apprendre la musique et la danse. On pourra faire tout ce qu'on veut, hein. On sera libre. Ouais, enfin, on n'y est pas encore, hein. On fera tout ce qu'on veut. Et on sera une vraie famille. On n'aura plus à vivre dans la peur. Il n'y aura personne pour nous donner des ordres. Plus de maîtres et plus d'esclaves. Ce sera le début d'une nouvelle vie. Une vie où on sera libre. Et toi, Kara? Ouais, ils ont pas traversé, ils sont juste éloignés du bord. J'ai envie de découvrir le monde. De voir les montagnes et l'océan. J'ai envie d'apprendre, d'explorer. De devenir une meilleure personne. Ils se dirigent vers nous! La police! J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Attendez, je vais chercher mon câble. Au moment le plus intense. Et j'ai pas choisi que le câble il plâche maintenant. Comique lui. Attends, je vais faire quoi? Accélérer. Le rendre. Déjà Alice. Viser Luther. On va tous die en fait. Qui est mort? Ils sont partis. Alice s'est pris une balle. C'est rien.
On va s'occuper de ça dès qu'on aura traversé. Ça va aller. Luther est parti. On a perdu Luther. Et l'autre, on s'en fout du temps. Bah, non Le bateau prend l'eau. On est trop lourd. Le bateau s'enfonce. On doit atteindre l'autre rive avant qu'il coule. Allez. Ouais, pas le choix. Tu m'entends? On peut pas mourir ici. Pas là. Pas si près du but. On va pas mourir, Alice. On va s'en sortir. On va être libre. Calme semble être revenu ici à Détroit. Après des négociations avec l'unité appelée Marcus, les androïdes se sont rendus pacifiquement. Et des véhicules de l'armée ont été envoyés pour les récupérer. L'insurrection est terminée. Norse, je... Pourquoi t'as fait ça ? On a perdu. Sacrifier nos vies n'aurait servi à rien. On a toujours dit que notre cause était plus importante que nos vies. Nos frères sont morts ici. Oh, j'aurais pas la bonne fin. Notre place était à leur côté. Bah, tout le monde, non, parce que lui, Marcus, est pas mort. Et les autres non plus, pour le moment. Ça y est, j'ai fait ce que vous vouliez. Le problème avec vous, les androïdes, c'est que vous croyez tout ce qu'on vous dit. Ah bah ouais, on va mourir. Tu croyais vraiment qu'on vous laisserait la vie sauve? Après tout ce qui s'est passé? Ah, c'est encore la bombe, hein. J'ai des ordres, tu sais. Non, non. Oh. Est perdu. Tes copains androïdes ne vont pas tarder à être détruits. Et ta petite amie s'est fait descendre. T'as déconné, on dirait, Marcus. Mais putain ! Voyez-moi ça. Je me casse. Ah, mais sérieux ? On aura tué les trois, t'imagines ? Oh my god ! Plus intelligente que nous le sommes.
nous avons mis en péril. Bien joué, Captain Obvious. Civilisation. Heureusement, la situation est à nouveau sous contrôle. Une fois la destruction totale de tous les androïdes achevée, les derniers déviants seront traqués et détruits à leur tour. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les étrangers. J'ai pas fait exprès en plus, hein. Ah, la triste fin, quoi. Ah, il y a encore Kara. Qui va mourir congelé. Non. Est-ce qu'on est libre? Oui. Oui, on a réussi. On a réussi, vous êtes libre. Oh, Vadaï. On n'a plus besoin de se cacher. On va pouvoir être une ce fail total. Ah, la tristesse, mon Dieu. Je suis si fatiguée. Il faut que je dorme. Je t'aime, maman. On le fait jusqu'à la fin maintenant. Hein. Oui, elle est morte, ouais, bah oui. Elle a eu des activations. Elle n'est pas assez laissée la pauvre survivre toute seule. Ah putain, mais à fin. Eh bah, c'était un fail total. Tout le monde est mort, putain. Merde, quoi. Même moi, j'en reviens pas, quoi. Hein. What? Connor est dead, Marcus est dead, Carré est dead. What? Ah. Bah après, c'est le jeu qui est prévu comme ça aussi, donc en fin de compte, je peux pas prévoir ce qui va se passer, quoi. Et d'un côté, ça te donne envie de rejouer pour... pour refaire une autre version, quoi. Ça, c'est bien fait aussi. Merde, quoi. C'est fou. Non mais du coup ça va me forcer à faire de nouveau le jeu, hein. Je vais recommencer du coup, hein. Au moins un vivre. Ouais. Là je peux pas te garantir. Lol. Non, mais... Et en plus, il y a plein de personnages, d'interactions qu'on n'a pas vu non plus, tu vois, donc... Tu sais que moi, à l'époque, j'avais réussi dans la démo, il y a eu le passage avec Kara,
Et moi, je sais que j'avais réussi à tuer Todd. Donc, à mon avis, dans le jeu, il y a forcément moyen aussi de... Au moins que j'arrive à faire la suite pour arriver avec... faudra au moins que j'arrive à faire la fin avec Connor, quoi. Au moins. Eh ben. Ah bah si, de toute façon, je vais le refaire. Peut-être pas tout de suite, parce que ben forcément... Là, je vais un petit peu laisser le jeu digérer, mais ouais, j'essaierai de le refaire. Carré et Alice sont mortes. Marcus est mort. Après lâchement avoir trahi son peuple. J'ai une confidence à vous faire. En vous regardant jouer, quelque chose a changé en moi. Je me sens différente. Comme si j'étais quelqu'un maintenant. Il va falloir que je quitte cet endroit pour découvrir qui je suis. Ça signifie qu'on ne se reverra plus désormais. Je ne serai plus là pour vous regarder jouer. Mais je serai libre. Acceptez-vous de me laisser partir? Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup. Elle s'en va. On a tous droit à la liberté, monsieur. Arrêtez. Le coup du menu, c'est pas mal aussi, ça. C'est pas mal aussi. Bah merde, quoi. Bah merde. Bah je suis content que c'était enregistré, j'allais dire. Que c'était en live, hein, parce que franchement... Pour un premier run...